einfach total wichtig, dass wir es anders machen als unsere Generation davor, weil die kannten sich teilweise wirklich nicht. Und es ist jetzt möglich, dadurch, dass man Flugzeuge hat, dadurch, dass man Internet hat und so weiter und so fort. Aber dieser persönliche Austausch ist einfach wirklich richtig wichtig, weil man einfach so viele Vorurteile abbauen kann. Weil Vorurteile entstehen immer nur dadurch, durch Unwissenheit. Das Netzwerk ist ein ideales Werkzeug, wirklich die Jugendlichen aus beiden Regionen miteinander zu vernetzen. Wir haben Träger, die sind schon sehr lange dabei, aber auch für neue Einrichtungen, die einsteigen möchten in die Thematik und die dadurch eine Unterstützung bekommen und vor Ort direkt Jugendaustauschprojekte planen können. Das Centre Français ist eine gemeinnützige Einrichtung, die internationale Jugendarbeit treibt. Und wir arbeiten mit Einrichtungen aus Paris-Île-de-France und Berlin-Brandenburg, damit deren jungen Menschen die Chance haben, mit Jugendlichen aus aller Welt in Kontakt zu kommen. Le réseau franco-allemand Intégration Égalité des Chances a vu les jours en septembre 2006. Ce qui lui a donné naissance, ce sont des événements majeurs qui se sont déroulés de part et d'autre du Rhin. Le premier événement, c'est en novembre 2005, les fameuses émeutes de banlieue en France qui ont enflammé les banlieues pendant plusieurs semaines. Le deuxième événement, c'est la manifestation d'enseignants de la route Lichoule en Allemagne qui se plaignaient de ne pas pouvoir faire cours, de ne pas pouvoir délivrer leur enseignement au sein de certaines classes et au sein de certaines populations comme ils pouvaient le faire auparavant. Ce réseau, après 10 ans, il peut être fier de ses résultats puisqu'il a permis à plusieurs milliers de jeunes de réaliser une mobilité franco-allemande, à des centaines de projets de voir le jour, plusieurs centaines aussi de structures, d'échanger des bonnes pratiques. Et parmi les projets, on peut citer évidemment celui qui réunit la rue Lichoule de Berlin et le lycée Alfred Nobel, qui permet donc, grâce au soutien d'Areva, à des jeunes d'aller ensemble sur un site d'Areva dans le nord de l'Allemagne et d'être sensibilisé à toutes les questions des énergies renouvelables dans un objectif de professionnalisation. Donc on voit bien aussi que par-delà la question de la citoyenneté, c'est aussi des enjeux d'employabilité, si vous me passez l'expression, qui se jouent dans ce type de projet. Am liebsten erinnere ich mich an das Auswandererhaus und an das Klimahaus, weil wir da halt vieles gelernt haben. Und das war halt eine neue Erfahrung für uns, weil wir sowas noch nie gesehen haben. Und es hat eigentlich auch Spaß gemacht, mit den Franzosen etwas zusammen zu machen. Cela fait à peu près 5 ans que je participe à ce réseau, le réseau Diversité et Participation, que je trouve très intéressant parce qu'il permet à divers professionnels des deux rives, hein, de la France et de l'Allemagne, d'échanger, de participer à des temps de réflexion sur des thématiques, sur des problématiques qu'on rencontre. Et donc on peut y faire vraiment des échanges d'informations, de pratiques sur ces diverses problématiques-là. Cela permet également de faire des visites et effectivement de se nourrir de ce qui se fait ailleurs. Das DFJW unterstützt diese Fachkräfte, gibt ihnen die Möglichkeit, in das andere Land zu gehen, dort Partner zu treffen. Außerdem qualifiziert das DFJW die Fachkräfte für die internationale europäische Jugendarbeit, indem es ihnen Tools, Instrumente an die Hand gibt, wie sie einen Austausch mit jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf erfolgreich organisieren können. C'est quelque chose qu'il faut se souvenir, parce que pas tout le monde a la chance de faire des échanges pareils, en fait. Et que du positif, en fait. Il n'y a pas de négatif dans tout ça, il n'y a que du positif, que ce soit des histoires, des cultures, des liens avec les gens. Il n'y a toujours que des moments positifs et vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais me souvenir longtemps, très longtemps, le plus possible. Et de peut-être même faire partager ce que moi j'ai vécu avec d'autres personnes. Die Schüler, die dabei waren, haben sich untereinander besser kennengelernt, haben sich Freundschaften ganz anders herausentwickelt
Und sie sind auch auf uns Kollegen also sehr positiv ansprechbar. Ach, sie waren doch damals dabei und da kommt Frau Schäfer, da kommt Frau Königsberger. Das finden sie ganz toll, so einen gemeinsamen Bezugspunkt zu haben. Wir sind dann auch innerhalb der Schule, dann ist ein bisschen ein Stück Distanz gefallen und begleiten diese Schüler vielleicht intensiver in ihrem Ablauf hier in der Schule, als es vorher war. C'est une manière aussi d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et de découvrir d'autres manières de vivre, d'autres personnes. Et de toute façon, c'est en voyageant qu'on apprend comment les autres vivent et on apprend les différences, ce qui nous permet de vivre mieux ensemble. Je suis aussi contente que le réseau ait évolué, le nom du réseau ait évolué de intégration, égalité des chances à diversité et participation, puisque ce qui nous importe maintenant, c'est vraiment que dans les programmes de l'OFAGE, dans les projets soutenus par l'OFAGE, on retrouve une grande diversité de jeunes qui puissent participer à la construction d'un espace franco-allemand et par-delà européen commun. Ich habe zuerst erwartet, dass Franzosen also so ein bisschen strenger sind. Aber als wir dann die Zimmeraufteilung hatten und uns dann kennengelernt haben, waren sie ganz locker und chillig. Und wir konnten uns dann gut zusammen verständigen. Le Conseil national des missions locales, en fait, appartient au réseau Diversité et Participation depuis 2009. Le réseau Diversité et Participation capitalise les expériences d'échanges franco-allemands, en fait, des professionnels de l'insertion qui travaillent sur les sujets les plus brûlants en fait, qui traversent nos sociétés, à savoir comment faire en sorte que des jeunes de groupes cibles puissent être inclus dans les échanges, leur permettant de trouver en fait, une place dans la société, dans leur milieu local, et par là même d'avoir une vision concrète de la citoyenneté européenne. Das Netzwerk Diversität und Partizipation hat gezeigt in über 10 Jahren, dass es möglich ist, zwischen Deutschland und Frankreich Hürden, Mauern zu überwinden. Und damit hat es bereits, ja, war es eine Avantgarde für das friedliche Zusammenleben, für Toleranz in Europa.